Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve pour une petite guidance avec la lecture d'une carte. Une carte qui est magnifique, regardez, elle a sauté du jeu, donc je ne l'ai même pas mis à l'envers, je vous l'ai remise directement à l'endroit, puisque j'étais en train de brasser les cartes et c'est celle qui est sortie. Maître Ascensionné, tout un programme. Je vais vous la lire, vous allez voir qu'elle est juste magnifique. Ce sont des cartes de transformation. Alors, merci aux éditions Contredire de, de cette belle création. Enfin, en tout cas, ça a été une traduction, puisque le titre original de, ce, de cet oracle, euh, c'est euh, le Sacred Spirit Reading Cards. Ça avait été publié pour la première fois par Rockpool Publishing en 2019. Et euh, avec des textes de Anna Stark et des illustrations de Louis Dreyer. Et les éditions Contredire viennent d'en faire la traduction française. Donc merci parce que c'est vraiment un oracle magnifique. Je vais vous montrer juste la boîte pour que vous puissiez la voir. Voilà, les forces de l'esprit, Anna Stark. Anna Stark a également les fait les forces de, guéri, de, de guérison. Euh, qui aurait été euh, traduit également euh, par, euh, par les éditions Contredire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de transformation ce matin Eh bien, on va la lire. Tout simplement. Mettre à sanctionner, communiquer ouvertement et ou écouter objectivement les autres. De tout temps, les hommes se sont tournés vers leurs enseignants spirituels, leurs gourous et leurs philosophes pour chercher conseil guidance et sagesse, afin d'améliorer leur vie quotidienne. Indépendamment, indépendamment de leur éducation ou de leur appartenance religieuse, tout être humain peut être amené à s'adresser à ceux ayant atteint un niveau de conscience plus élevé. Les philosophes, les maîtres ascensionnés, les gourous et les dirigeants spirituels permettent à ceux qui recherchent la sagesse, ou des états de bien-être et de conscience plus élevés, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Au sein de cette dimension. De nombreux maîtres voyagent à travers le royaume de l'ascension, tous à différents niveaux. Ces différents plans aident les chercheurs de sagesse à se connecter à une énergie spécifique, telle que celle des rayons lumineux. Vous savez qu'il existe sept rayons. Lorsque vous travaillez avec ces fréquences ou énergies, Veillez à toujours invoquer ou demander l'assistance des aspects existants dans les fréquences de lumière les plus pures, soit 100% pures. Les maîtres ascensionnés conservent une double polarité et ont toujours des objectifs et des fonctions spécifiques relatifs au royaume terrestre. À l'heure actuelle, vous devez vous connecter à une sagesse supérieure partagée dans un but collectif. Les routines et rituels quotidiens sont essentiels pour assurer votre stabilité lors de prises de décision. Ouvrez votre esprit et votre vision aux signes et aux symboles du royaume des Maîtres ascensionnés. Nombre d'entre eux sont associés à des animaux et des symboles. Prêtez une attention toute particulière à l'art et à toute image avec laquelle vous pouvez vous sentir fortement lié émotionnellement alors que vous êtes divinement guidé. Soyez conscient du fait que les maîtres travaillent dans les coulisses de votre vie pour votre plus grand bien. Les plans karmiques et votre constitution énergétique unique requièrent que vous traversiez certaines expériences et certains événements d'apprentissage afin de grandir et de développer votre âme et votre esprit vers un nouvel état de conscience plus élevé. Et pour chaque carte dans cet oracle, vous avez un cristal qui est associé ainsi que l'aide angélique. Donc, je vais vous dire. Donc, le cristal pour cette carte, c'est la kunzite verte. L'aide angélique, eh bien, on n'est pas sur, euh, sur une petite aide puisqu'on a carrément l'aide de l'archange Métatron qui s'occupe de channeling et de sagesse supérieure. Et ensuite, l'affirmation Je suis un canal de connaissance divine claire. Je partage cette sagesse avec compassion et confiance. Voilà, cette phrase, vous pouvez donc vous la répéter autant de fois que vous le souhaitez. Je suis un canal de connaissance divine claire. Je partage cette sagesse avec compassion et confiance. Voilà, donc j'avais envie de, de, de vous partager cette petite carte de transformation ce matin euh, pour vous aider à, à comprendre ce pourquoi vous êtes là si parfois on l'oublie certains jours, et qu'on n'oublie pas qu'on est guidé au quotidien et que vraiment les expériences de nos vies que l'on traverse nous aident à grandir, nous aident à nous élever vers des vibrations beaucoup plus élevées. Même si ce n'est pas facile tous les jours, on en est conscient. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une belle journée, je vous présenterai ce bel oracle si vous le souhaitez. Regardez le dos de la carte. Juste magnifique. Ça me fait penser un peu à l'arbre. Euh, alors, il n'y a pas. Il y, y avait d'autres. C'est vrai que ça. Il y avait des filaments qui pendaient, mais ça me fait un peu penser à l'arbre de, de vie dans. Je ne me rappelle plus le nom. Dans Avatar, là. L'arbre de, des, des ancêtres, des esprits. Là où ils vont se connecter pour avoir leur guidance. Voilà. Merci à tous. Une très belle journée. Et à très, très bientôt. Bisous.